Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va essayer de faire mieux que la session d'avance, qui va pas être compliquée. Enfin, ce qui est pas compliqué. Pas compliqué. Oui. Parce qu'on a perdu les deux parties, donc voilà. Donc là, il faudrait quand même faire mieux que la bulle. Après, le deck a été particulièrement tricky. On a été sauvé des eaux une fois avec As, je sais pas quoi, ou paire de 5 contre As 6, je crois. Ouais, c'est ça. On a chaté. Oh là là, j'avais presque envie de payer instant. Oh! Ah, le mec, il joue 1-10. Ah ouais, là, la paire d'as, elle est contente. Elle met 40 derrière un mec qui envoie tapis. Genre, oh youpi! Tiens, je vais checker pour renforcer un peu mon range de check et puis arrêter de bluffer toutes les mains là. Putain. Ouais, mais là, j'ai des backdoors. J'ai des backdoors. Tu vas me dire quoi? Mais oui, un 7, un 9. Oh bah là, je pense que je peux miser sans trop de problèmes. Je me suis lancé dans un truc. Je vais jusqu'au bout. Allez, je joue les 4. Rome, bestiou. Rome, j'ai bestiou. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va time banker. On va limp. Roi 7, histoire de voilà de voir. Bon là il a jamais l'as. Donc s'il mise, c'est la boîte. Voilà, c'est dans ton cul. Tu l'as voulu, tu l'as eu, un grand coup dans ton cul. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que là, il peut être nutsé, comme il peut avoir As-Roi et on est légèrement devant. Je vais juste payer, on va réévaluer au turn. Le 3 est plutôt qualitatif. Ouais. Ah. Ah, mon cœur de battre s'est arrêté. On s'est fait saigner. Putain, alors maintenant, carrément, il te coupe l'historique, quoi. Genre, maintenant, tu peux même plus regarder une partie. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est super récent, ça. Genre, la partie, elle se ferme. Pouf, au bout de genre 5 secondes. Donc déjà que l'historique il est inexistant sur PokerStars, parce que t'as accès qu'à l'historique de la dernière main, tu vois, c'est complètement pourri. Oh merde, allez, vas-y. Ah ouais, mais là, il y avait de la cote, hein. Au moment où je paye. Bon, ça, on sait jamais, hein, on sait jamais, des fois. Un petit coup de chat aidant. Ah ouais, après, il y a trop d'argent, le mec il est trop petit, il peut faire ça avec tellement de mains, mon roi pété. Il a de l'équité. Dame 6. Même si je suis en position, c'est un peu compliqué. Et dis donc, les mecs, ils m'ont sorti des paires d'as, des paires de rois, des machins. Il faudrait qu'ils se calment un peu là. Moi aussi, je peux relancer, mec. Allez, c'est parti. Ok, on est devant. Là, on est vraiment bien devant là. Là, ok. Yes! Ah, yes! Allez! Allez, allez, allez! C'est dommage parce qu'on perd les 100 balles de celle qui était à 100 balles, forcément. Mais au moins, on fait pas la bulle. Déjà, on est encore là et ça, moi ça j'aime ça quand on est là. Ah non, bah oui, mais là de toute façon maintenant c'est hier. Alors, on va avoir que des fois 2 pendant 2 plombs, puisqu'on a eu 2 fois 4 qu'on a perdu lamentablement. Donc maintenant il y aura que des fois 2 pendant 20 parties, tu vois. Ça va être. Ça, c'est vrai que c'est un peu relou quand même. C'était pas dans un bon jour, ou enfin, on va pas dire que je suis même pas dans un bon jour, parce que c'est une journée quand même. Roller coaster, comme on dit. Il y a eu des hauts et des bas. Malheureusement. Les bas, ça s'est mis. Sont arrivés quand j'ai commencé à jouer hors limite. Un peu comme si le destin avait décidé de me punir de jouer hors bankroll. Mais bon. Là, j'aurais presque pu check, hein, parce que honnêtement. Ah oh, ouais, waouh, waouh. J'aurais pu check le turn. Après, il a chaté son 2 à hauteur au turn. Il a même pas chaté son 2 à hauteur, il a chaté son 1 à hauteur. Pourquoi? Parce que le seul 7 qui m'inclinait à m'inciter à miser et à risquer plus de jetons et a fortiori à les perdre, c'était le 7 de carreau. Ah merde! Ah bah ouais!
Forcément, il fait deux paires valet 10, jamais il va folder. Bon, ok, j'aurais envie de dire ok. Alors, je check encore mon as. C'est pas le flop du siècle, hein. C'est pas le flop du siècle. Tu m'aurais mis une dame de carreau, je me serais encore cassé une patte, mais là, je vais pas aller chercher un 10, hein. Bon, je suis un peu déçu quand même. Dame 5. C'est qui le mec? Amanda Romain. Bon, je vais quand même relancer. Parce que ça limp. Et arrête de faire les griffes sur le siège. On a top pair, mais là, Dame Valet nous la met. Valet 7. J'ai misé pote en fait, quasiment. Voilà, mais j'avais envie que ça parte chaud patate là. Voilà, on a paire de rois, on relance, hein, pas à se prendre la tête. Hein. Ok. Ce qui est bien, c'est que de toute manière, on aurait quand même relancé. Donc là, ça renforce notre range de 6 bêtes. Ah, tu vas me dire, oui, tu perds d'équité. Bah, pas tant que ça, il y a les piques, il y a les machins. De toute façon, s'il veut, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'il mette des jetons à un moment, il les mettra pas forcément plus tard. Donc autant attraper tout de suite. Ah, par contre, là, c'est pas cool. Qu'il ait la dame, c'est vraiment pas cool. C'est pas cool. Ouais, alors tu vas me dire pourquoi t'as un stand call. Bah, il relance à 20 blindes. Ah ouais, les blindes sont qu'à 10-20. C'est parce que je suis qu'un fiche. Peut-être. Espérons qu'il n'ait pas le roi quand même. Non. Il est agressif quand même, hein, le mec. Hein. Je vais faire une espèce de tribet. Voilà, je vais faire un truc complètement fou. Oh, il me paye. Ah, oh, merde, putain. Oh là là. Oh là là, le mec, il a la ventrale. Oh, c'est horrible. Bon. Eh ben, écoutez, j'ai pas brillé, hein, putain. Oh là 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 là. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.